J'espère que vous allez tous bien. Moi, ça va très bien. J'enlève mes machins comme à chaque fois. Donc, je vous retrouve pour un petit haul action. Et c'est reparti. Alors, il y a quand même pas mal de nouveautés. Enfin, de nouveautés entre guillemets, parce que c'est déjà sur Internet depuis un moment. Mais chez moi, ça arrive doucement. Donc, j'ai quelques bricoles que j'ai trouvées. Et puis, ben, ma foi, c'est très bien comme ça. Donc j'attaque 74 centimes. Hop, c'est des petits oiseaux. Donc on avait déjà eu ça avec les clés, avec les chameaux, enfin ou les dromadaires, je sais plus ce que c'était. Alors là ça j'adore, les fleurs elles sont en papier. Elles sont tout simplement superbes. Donc voilà, j'ai pris ceci. Ensuite... j'ai trouvé, donc je ne sais pas s'il n'y avait que cette couleur de... enfin cette palette là, ou s'il y en avait des pastels ou pas. Je ne sais pas. Ça, j'ai payé ça 1,29€. On va ouvrir ça pour voir comment c'est dedans. Voilà, donc c'est par petits godets. Hop. Et c'est de la couleur, c'est de la peinture aquarellable. Voilà, voilà, voilà. Peinture aquarellable. Ça a l'air pas mal, ça a l'air nacré. Après, à tester. Pour 1,29€, on verra ce que ça donne. Ensuite, j'ai pris pour 79 centimes. Il y avait deux autres trucs. Il y avait des lamas, il y avait des cœurs, des glaces. Mais bon, voilà. J'ai préféré prendre celui-là. 79 centimes, ça fait une espèce de petit livret avec des autocollants sur le côté et des stickers de l'autre côté. Donc voilà. Ensuite, ensuite, ensuite. Alors là, j'ai pris un paquet de nœuds. Où est-ce qu'ils sont les nœuds? Ils sont là. Donc les nouveaux nœuds, les Vichy. Donc ceux-là, c'est les gris. Ensuite, j'ai pris les verts. Donc ça, c'est les nouveaux, hein, les bleus. Voilà, les Vichy en rouge cette fois. Là, c'est du rouge aussi. Alors, hop, le reflet. On va éviter de vous exploser les yeux. Voilà, là, c'est en jaune. Donc, le jaune, j'adore. En plus, en ce moment, les couleurs, c'est des couleurs qui vont bien pour l'été. Ça, c'est du Vichy en bleu. Et je les trouve beaucoup plus réussis que ceux qu'ils avaient fait la dernière fois, d'ailleurs. Parce que, ouais, la dernière fois, c'était une espèce de satin, là. Ça me plaisait à moitié. Et là, c'est plus joli. Je trouve qu'ils sont plus jolis. Nœud et ruban, il est marqué, ma foi. Alors, en quoi c'est... du synthétique, on va dire. Comme à chaque fois. Ensuite, pour rester dans le même style, j'ai trouvé... pardon pour le bruit, les fameuses feuilles. Donc il y a ce modèle-ci, il n'y en avait que 4 modèles chez moi, je pense que il n'existait que 4 modèles, c'est à voir. J'ai pris celle-là, voilà, et celle-là. Voilà, donc ça c'est super pratique, je trouve que comme je mets des fleurs un peu partout, en plus, ça ira nickel. Ensuite... eh ben, on arrive presque au bout déjà. J'ai trouvé ces tubes de perles. Voilà. Alors, c'est des perles toutes fines. J'ai payé ça 0,84 centimes. Donc là, pour vous montrer un exemple, alors j'ai pris les 4 couleurs qu'il y avait. Ça, j'aime bien les mettre au cœur des fleurs ou enfin bref, voilà, pas forcément pour des bracelets. Il y a cette taille-là et cette taille-là. Je pense que vous allez voir la différence. Voilà, c'est plus gros. Ensuite, j'ai pris ça. Celle-ci était plus grosse aussi. Donc là, pour les bijoux, enfin, les bijoux de... comment on appelle ça? Les bijoux qui pendent, vous savez, sur les côtés des... ah! Eh bien, ça me reviendra, évidemment. Des agendas, tout ça, là, voilà. Et c'est en tube
en plus. Donc j'ai trouvé ça super sympa pour 84 centimes, ça va. Et puis ils sont grands quoi, ça fait la taille de. Ça fait la taille de mon avant-bras presque. Donc ça va. Est-ce qu'ils sont en verre? Tiens, je vais vous dire ça tout de suite. Non, c'est du plastique. Je pensais que c'était du verre, mais c'est du plastique. Voilà. Mais bon, 84 centimes. Hein, voilà. Ensuite, j'ai pris. Alors ça, il y avait des triangles, des carrés, des ronds, un cœur. J'ai pris le carré. Il y a trois pièces à l'intérieur. Oh, pardon. Trois pièces à l'intérieur et apparemment ça fait. Est-ce que je vais arriver à ouvrir ça? Ça fait comme les poupées russes, vous savez, il y a des. Eh ben non, j'y arrive pas. Je me suis dit, je le rouvrirai. J'avale la moitié du papier, je vais mourir en vidéo. Voilà. Mais c'est pas possible, je veux vous les ouvrir. Non, mais dis donc, qui c'est qui décide? C'est quand même moi. Voilà, donc nous avons là, on ouvre, tadam, petite boîte. Et on ouvre, bébé boîte. Et voilà. Donc, voilà. C'est super génial, je trouve. C'est super génial. Enfin voilà, c'est plus pour faire des albums boîtes ou des trucs dans ce style-là. Donc voilà, ben, j'espère que ce petit haul vous aura plu. Désolée, j'ai fait bouger la caméra. Si c'est le cas, laissez-moi mon petit pouce bleu. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Et moi, je vous dis ben, à bientôt ben, pour de nouvelles vidéos. Bye bye!